Yo tout le monde, quant à vous c'est Pyrantoxic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jungle It. Comment allez-vous? Moi ça va super bien et je suis en forme, je suis de retour pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Et oui, on est parti pour de meilleures qualités, pour de meilleurs graphismes, pour du meilleur son. Effectivement, maintenant on a évolué dans le monde YouTube Game. Donc effectivement je me suis mis un peu plus au niveau, un peu plus à la pointe technologique. Effectivement, je me suis maintenant mis équipé PC avec un bon PC gamer qui va faire le taf. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Et à mon avis, les personnes qui ont connu le début de ma chaîne, c'est-à-dire filmé sur un vieux téléphone tout pourri que j'ai encore juste à côté de moi là justement, parce que je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, et je vous montrerai une photo, et là, passer un bon PC gamer, les graphismes au top, etc. Je pense qu'il y aura une différence, ça fait plaisir depuis le temps que j'attendais ça. De faire des vidéos de qualité. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ça donne, cette envie de dire ah voilà, tu vas enfin pouvoir faire des vidéos de bonne qualité, travailler avec du vrai matos et il n'y a pas photo. Donc voilà, je n'étais pas là pour vous dire que c'est bon, moi je me suis mis au niveau de la technologie. Bref, on s'en bat les couilles. Si vous voulez moi de toute façon mon setup, ça sera sûrement dans une prochaine vidéo ou une FAQ, j'en sais rien. Mais on va partir déjà. Avant de faire un petit gameplay commenté, on va partir sur l'avenir de la chaîne. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir de la chaîne? Déjà, il y aura quelques changements. Effectivement, le changement au niveau graphisme, donc c'est ce que j'ai dit, de meilleure qualité vidéo. Au lieu de passer déjà donc à du 480p ou du faux 720p, parce que c'était du faux 720p, on va passer à du vrai 1080 normalement. Et ensuite, déjà, la suite, c'est qu'on va faire pas mal. De vidéos différentes, c'est à dire qu'on va faire du Jungle It. Donc on va rester sur Jungle It. Je fais partie de pratiquement l'un des seuls youtubeurs français qui est toujours présent sur ce jeu et qui a fait à peu près le tour sur ce jeu. Mais on va rester pour des conseils et critiques de base. Et oui, ça fait plaisir le retour. Donc dès maintenant vous pouvez mettre dans les commentaires votre nom de clan et votre pseudo et je ferai un petit tour dessus et je ferai donc des vidéos. Plus il y a de personnes et plus les vidéos sortiront régulièrement. Voilà. Ensuite, une autre chose que j'aimerais bien faire sur Jungle It. Oh oui, on va faire le tour. On va faire une longue vidéo, ça se trouve peut-être, ou une courte, je sais pas. On va faire des cartes tactiques. C'est-à-dire, je vais créer des concours. Effectivement, je vais faire des concours. C'est-à-dire que soit vous votez, je vais faire créer par exemple trois cartes, donc mes trois cartes. Et vous allez faire un concours. Et vous allez vous voter dans les commentaires laquelle vous plaît. Donc voilà, je vais faire une visite de chaque base. Et vous allez voter celle qui vous plaît le plus. Ou vous allez créer. Et ça, c'est ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup plus. C'est faire des vidéos cartes tactiques que vous avez créées vous-même. C'est-à-dire que moi, je vais lancer des concours. Et j'espère, et honnêtement, si vous participez à ça, ma chaîne YouTube et j'aurai... cette envie de faire des vidéos, l'envie de découvrir des cartes que vous avez fait. Et ça franchement, si vous faites des cartes travaillées, je pense que des vidéos cartes tactiques, il pourrait y en avoir énormément puisque ça sera toujours du renouvellement. Donc c'est très simple, comment vous allez faire, vous faites la création d'une petite carte, ensuite vous la terminez, etc. Et vous me vous allez dans les commentaires de cette vidéo. Vous me dites soit le nom de la carte. Donc moi ce que j'aurai à faire en vidéo, ma souris elle est là. Ce que j'aurai à faire donc soit chercher par le nom de la carte. Vous me dites par exemple elle s'appelle FAQ 1. Chercher. J'aurai juste à chercher FAQ. Et voilà, je vais trouver ici. Donc. Ou sinon vous donnez votre pseudo, ou sinon vous faites les deux, et là c'est encore mieux. Votre pseudo, par exemple Rommel, c'est-à-dire c'est mon pseudo à moi si vous voulez tester mes cartes. J'en ai trois et je sais qu'il y a un autre mec qui s'appelle Rommel avec un R majuscule. Donc vous appelez Rommel, voilà, je cherche le nom par exemple de votre carte, ensuite votre pseudo, et hop là je tombe sur votre carte, et là voilà, je vais faire un concours des meilleures cartes. Ou donner une note, parce que concours ça se fait pas, chacun travaille et chacun a ses propres idées. Et je ferai peut-être par exemple un qui ressort vraiment du lot, sera donc le winner. Peut-être un jour je ferai gagner des choses ou des codes Play Store, etc. Bref, on verra. Mais en tout cas, il y aura par exemple des notes, sous forme de notes. Je pense que ce sera mieux qu'un concours qui pourrait, quoi qu'un concours, ça pourra permettre
aux personnes de se mettre au maximum. Bref, je pense que ce type de vidéo pourrait plaisir, que ça soit aux personnes qui regardent, parce que ça permet de voir des cartes qui pourront peut-être eux-mêmes tester et voir de nouvelles choses, mais aussi à vous de travailler et de voir votre effort récompensé en vidéo. Voilà, donc ça c'est pour une idée que j'aimerais vraiment qu'elle fonctionne. Donc voilà, on part sur ça, les cartes tactiques. Ensuite, peut-être le guide du débutant, si vous avez encore des questions par rapport à des choses ou des choses que vous aimeriez que je vous éclaire, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. On va faire bouger les commentaires dans cette vidéo, je compte sur vous, avec un maximum de pouces bleus. Ensuite, je vais faire donc le changement de la chaîne, c'est ça, du changement de type de contenu. C'est-à-dire qu'au lieu de faire que Jungle It ou des applications du au Play Store, je vais faire des vidéos, que ça soit PS4, donc PS4, j'ai surtout du Call of et du Battle of One, mais et du VR. Je pense que du VR, ça pourrait être sympa, c'est pas tout le temps, pas toutes les chaînes qu'on voit du VR, donc je pourrais faire du VR, ça sera filmé donc avec une caméra, la caméra de ma PS4 et du VR, voilà, ça pourrait être sympa. Et ensuite, des jeux sur PC, donc moi j'ai mon Warfare 2 là, que j'ai sur PC. Et j'ai l'impression que ça a remasterisé parce que je l'ai testé, donc je l'avais sur PS3 et je suis passé sur ordi, j'ai vu la différence niveau graphique, c'était énorme. Donc je compte vous faire une vidéo pour faire une présentation des deux graphismes, ça pourrait être sympa. Et donc voilà, j'ai dit sur les jeux PC, donc il y a World of Tanks, World of Warship que je pourrais tester, donc non pas tester, jouer avec un ami qui est là aussi, je pense qu'il y a moyen de se taper des barres. Et donc PS4 pareil avec mes collègues, je pense que plus on est dans une vidéo, plus mieux ça peut être. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de changement, mais également dans les commentaires vous, si vous avez une application Android s'il vous plaît. Donc j'ai BlueStack sur mon PC, ce qui me permet de filmer la Jungle It. N'hésitez pas à me faire partager donc votre type de jeu que vous préférez, vous le mettez dans les commentaires. Et chaque semaine je vais faire une découverte d'un nouveau jeu que un abonné mettra donc dans les commentaires. Bref, vous pouvez être plusieurs à mettre soit pareil, le même, soit différemment. Et je ferai donc, je testerai ces jeux. Soit je fais une découverte et voilà, soit il me plaît, soit il me plaît pas. Soit je le découvre, il me plaît et je ferai peut-être un let's play dessus. Donc voilà, on va vraiment faire partir sur une chaîne multigaming. Et c'est bien ça que je veux préciser, ça sera une chaîne multigaming. Mais la différence avec les autres, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont du Jungle It. Moi, ça sera multigaming avec du Jungle It. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée, de cette option-là. Parce que moi j'étais assez renfermé Jungle It et dès que je faisais une autre vidéo différente, ça criait les nerfs. Mais là j'ai dit, j'ai la qualité de faire faire de bonnes vidéos. C'est pour mettre que avoir un bon PC et faire que de la bonne qualité sur Jungle It, ça me décevrait un petit peu. Donc voilà, autant tester à tout et à vous faire plaisir aux yeux, au son et à la découverte. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui allait se passer sur ma chaîne. Donc merci aux personnes qui ont suivi jusqu'à là. Et puis, si vous voulez, on va partir maintenant sur un petit gameplay que j'ai fait. Quoique j'ai pas des troupes là. 44 minutes, j'ai 48 diamants. Bah sinon, au lieu de partir sur une attaque comme tout le temps, on va faire une carte tactique. Et voilà, on va changer. On va faire une carte tactique aléatoire. Les nouvelles cartes... Ouais, c'est... ça qui est chiant, c'est que c'est mal travaillé. Moi je cherche les meilleures cartes, je cherche des cartes travaillées. Ça j'appelle pas ça travailler. Regardez, une nucléaire, ouais, donc tu la lances, t'as fini. Voilà, nucléaire, pareil. Moi je veux une carte travaillée, moi j'ai fait des cartes travaillées. Oh mon dieu, et là t'as cet hélico. Ouais, ça doit pas être dur à terminer ça, hein. Voilà, des cartes pas travaillées, cartes pas travaillées. Et les gens, mais comment vous pouvez mettre des notes pareilles alors que c'est simple, il n'y a pas de, il y a pas de travail. Là, ça a l'air pas trop, ça a l'air pas trop mal ça. Ouais, effectivement. Allez, on va taper sur ça. On va attaquer, voilà. Hop là. Moi, je cherche des cartes travaillées. Donc si c'est travaillé, c'est parfait, c'est dans la poche. Et si c'est pour mettre 2-3 nucléaires, c'est même pas la peine. Voilà, c'est, voilà. À mon avis, il faut jouer stratégiquement. Bon. Même si les échos, à mon avis, vont faire tout le taf. J'ai essayé de jouer le moins possible hélico. Je me demande s'il y en a... Attendez. Vous allez me dire
qu'il n'y a rien au centre. Donc à mon avis, pour attaquer le centre, on va mettre beaucoup de barbares. C'est à mon avis un moyen de tous les éliminer. Mais on va détruire avant tout ça. Donc on va le faire à l'écho. Voilà. On va en mettre un de chaque. Et après on va arrêter les échos. C'est la souris. Voilà. Là. Et on va mettre un. Oui. Ah, voilà. Les échos font le taf. Maintenant on s'attaque au middle. Moi je m'en fous du temps. Là à mon avis ils vont souffrir. Voilà, ma souris qu'on peut chercher. Voilà. Et on va faire. Hop là. Voilà. Ils sont tard les artilleurs. Pour une fois ils ont la gueule. J'aime beaucoup les artilleurs en niveau 8. Ah non mais là je valide. Bon c'était pas masse travaillé, mais voilà, pour moi, de toute façon je noterai, hein, si vous faites des bases, je noterai, et là ça vaut un 3 étoiles. C'est pas exceptionnel, c'est pas une base très travaillée, mais ça vaut quand même 3 étoiles. Pour moi les personnes qui font des bases que une bombe nucléaire, ça vaut 1 étoile, voire 0, donc on va dire qu'on est par sur plutôt pas mal. On peut partager ça? Bon, je ne sais pas. Bref, retour. Voilà, donc ça c'était une petite carte tactique, je trouve. Moi j'aime beaucoup, ça permet de changer un peu. Voilà. Et ben voilà pour ça. Donc, ceux qui sont encore dans mon clan et qui par hasard retomberaient sur ma vidéo, n'hésitez pas à partager une bataille avec le drone pour une vidéo YouTube, car je n'aime pas. Merci. Donc voilà, ceux qui sont dans mon clan, partagez une bataille avec le drone. Donc c'est très simple hein, pour ceux qui ne servent pas dans mon clan. Hop, vous allez dans attaque. Voilà, si vous avez une attaque avec le drone, hop, vous faites partager. Et voilà, tu mets pour... Hop, tout simple, et tu mets sur le chat de clan, et ça passe crème. Voilà, voilà, donc j'espère qu'en tout cas, voilà, les concepts, toutes les informations que j'ai pu donner dans cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est toujours Bakary, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je compte sur vous pour les cartes tactiques. Dès maintenant, vous pouvez les créer. Et je vous laisse voilà, le temps qu'il vous faut les créer. Et quand j'aurai un minimum sur ma chaîne YouTube, enfin dans les commentaires de cette vidéo et des prochaines vidéos, je ferai une vidéo sur les cartes tactiques. Donc on va partir soit sur un top 5, soit vous jouez beaucoup le jeu. Et là, on peut partir sur des top 10. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer le jeu, s'il vous plaît, je tiens beaucoup à ça. Et puis voilà, pareil, les conseils critiques, donc clan, pseudo et le niveau, c'est encore mieux. Voilà, vous partagez ça et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais arrêter de vous embêter, je dois pas vous embêter, enfin j'espère pas, mais c'est l'heure de vous laisser et je vous dis à la prochaine. Ne vous inquiétez pas, je reviens en force. C'était Pyrotoxique, à la prochaine, allez tous.